m'intéresse à la mode et à la couture depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à créer des petits vêtements pour mes poupées. Puis ensuite, j'ai vu les choses un peu plus grandes. J'ai voulu me créer mes premiers vêtements. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse ça de ma vie. On a besoin de maroquiniers, on a besoin de couturières, on a besoin d'horlogers, de joailliers. Personne n'imagine que l'Europiana peut avoir du mal à être des personnes qui fabriquent de la maille, que l'hôtel Cheval Blanc a des difficultés à recruter sur la restauration et l'hôtellerie. Pourtant, c'est la réalité. C'est une réalité qui s'impose à nous chez LVMH. Comment est-ce qu'on fait connaître ces métiers? Comment est-ce qu'on les préserve? Comment est-ce qu'on s'assure que les filières persistent, perdurent dans l'avenir? En 2021, c'est vraiment l'envie de mettre un coup d'accélérateur. L'ensemble des maisons du groupe se sont réunies autour de Bernard Arnault, de la direction générale du groupe et de l'ensemble du COMEX, pour nous dire, nous sommes ensemble, nous nous mobilisons pour les métiers, c'est le pacte des métiers d'excellence. Et l'acte fondateur, ça a été celui-là. Ça a été le fait de se dire qu'on écrit en 10 points la raison d'être des savoir-faire, les devoirs et les responsabilités de nos maisons pour que notre futur soit beaucoup plus serein que nous, notre présent. Là, il y a un véritable, j'ai envie de dire, pacte d'engagement de l'ensemble de nos maisons, de manière à continuer d'appuyer la nécessité d'attirer, de développer, de former sur ces métiers essentiels à notre secteur. On m'a dit plusieurs fois qu'il fallait apprendre son métier auprès d'un ancêtre. Je pense que c'est vrai, parce que seule une personne qui a énormément d'expérience peut réellement nous apprendre les choses. Sur cette photo, vous voyez à la fois un président ou une présidente de maison et un ambassadeur de savoir-faire. Des couples qui, pour nous, sont symboliques de ce que sont nos maisons. Je fais veste, manteau et double face. Je suis spécialiste de ça. Je suis très heureux. Qu'est-ce que je peux dire d'appuyer? Ok, c'est parfait. Ça va, c'est sympa. Toute l'idée derrière les métiers d'excellence, c'est ça, c'est transmettre, c'est créer des vocations, c'est donner une chance, c'est croiser des destins, c'est croiser des sensibilités, c'est des objectifs nobles et qui sont vertueux. Première chose qu'il faut faire, c'est parler des métiers et déclencher des vocations. Ça, on le fait dans les collèges avec Excel. On va un peu partout en France, en Italie, dans le monde, pour rencontrer les jeunes et leur dire quels sont ces métiers. Je trouve que ces journées sont très importantes parce que les élèves arrivent à un moment de leur scolarité où ils se posent beaucoup de questions sur leur orientation. C'est justement leur montrer qu'au-delà de leur horizon très court, il y a d'autres horizons avec d'autres métiers, avec d'autres possibilités de carrière, avec des parcours très différents. C'est leur donner de l'ambition, qu'ils rêvent grand. Ils peuvent eux aussi prétendre un jour à pouvoir travailler dans un grand groupe. Aujourd'hui, j'en ai appris un peu plus sur la société LVMH, du coup, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient comme métier là-bas. Sinon, j'ai appris aussi qu'ils faisaient de l'alternance, ça m'intéresse aussi. Je trouve que c'est bien parce que c'est là où tu acquiers l'expérience sur le terrain. Moi, il y a un métier qui m'intéresse, c'est bijoutier, parce que j'aime bien faire des bijoux. Je trouve ça très intéressant, surtout dans le sens où en fait, il faut beaucoup de pratique, beaucoup de concentration. C'était bien. Quand on rencontre des jeunes et qu'on les écoute et qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur parle, je trouve que tout de suite on voit la lumière dans les yeux, on voit de l'espoir, on voit des perspectives et puis on tire le meilleur des gens. Parce que quand on a 280 métiers, il y en a forcément un pour eux, il y en a forcément un qui correspond à leur passion, à leur personnalité, à leurs aptitudes. Je crois que la vie est faite aussi de rencontres et de gens qui peuvent vous ouvrir les portes à certains moments. Et c'est ça qu'on veut faire. Bonjour.
Dans mon cursus scolaire, en réalité, j'étais un petit peu perdue. Parce que juste après avoir obtenu mon bac, quand j'ai pas eu la chance d'être sélectionnée par les écoles publiques, je me suis tournée aussi vers les écoles privées. Et mes parents, ils avaient pas les moyens. Alors j'ai galéré. You and Me, c'est vraiment une volonté de créer cette rencontre entre vous, futurs talents qui s'ignorent des savoir-faire, et nous, métiers d'excellence. Notre seconde mission, c'est d'orienter un public assez diversifié, bien sûr des jeunes, mais aussi des gens en reconversion. Nous avons voulu aller à la rencontre du public dans 5 villes de France, donc ça a été une grande tournée. Clichy-sous-Bois, Reims, Valence, Orléans, pour se terminer à Paris. Cette année, on avait 1200 offres à pourvoir en 3 mois. Les contrats d'alternance, les CDD et les CDI. Record absolu. Quand je me suis rendue à ce salon et que j'ai rencontré les 3 apprentis couturières, franchement, j'avais des étoiles dans les yeux. Elles faisaient de la couture pour les grandes maisons et en même temps, elles allaient à l'école. C'était absolument ce qu'il me fallait. J'avais pas besoin de payer mes études et en même temps, j'allais faire ce qui me plaisait. C'était un miracle. On passe d'un mètre à l'autre, de la couture à la joaillerie, des arts culinaires à l'hôtellerie. On va pouvoir échanger avec des apprentis, des tuteurs. T'es accompagné aussi par des DRH sur des entretiens, sur leur motivation, sur la manière de refaire leur CV. Nous nous sommes appuyés d'ailleurs sur de nombreuses écoles partenaires qui ont été au rendez-vous, sur des associations diverses. Donc c'est tout un écosystème. Franchement, ça m'a beaucoup impressionnée. Puis ils sont adorables, ils ont répondu à toutes mes questions, je les ai bombardées. Ils m'ont appris énormément de choses que je ne savais pas avant de venir ici. Quoi. Formidable et très, très enrichissante. On rêve tous de découvrir le métier de nos rêves. Et une fois qu'on l'a trouvé, il n'y a pas de secret. Il faut travailler, persévérer. Et on a eu la chance d'avoir Tony Parker, un par un avec qui le rapprochement était immédiat. On a fait équipe de manière à pouvoir toucher un public large et susciter l'intérêt des jeunes et peut-être abaisser une certaine barrière ou une certaine appréhension liée à un univers un peu peut-être froid ou qui peut impressionner que LVMH peut représenter. Depuis ce jour-là, tout s'est accéléré. J'ai été contactée très rapidement pour me rendre au siège LVMH, passer les tests de rapidité, des tests de logique avec des couleurs, des formes. On ne m'a jamais demandé un seul bulletin scolaire, on ne m'a pas parlé de résultats ni de notes. On m'a demandé vraiment de parler de ma passion. Ils voulaient me tester sur ça, je pense. Ils voulaient voir à quel point j'étais motivée. Le jour où j'ai découvert que du coup j'avais été choisie par Givenchy, j'ai fondu en larmes, j'étais trop heureuse. Mon histoire commence en 2019, quand je me suis séparée du père de mes enfants. Ça fait déjà plusieurs années que je suis femme de militaire et je m'occupe à plein temps de mes filles. Du jour au lendemain, je dois trouver un emploi. Mais lequel ? Je me sens complètement désemparée. Je suis hyper loin du marché du travail. Je ne sais même pas par où commencer. Alors, quand ma conseillère pour l'emploi me parle d'une formation en apprentissage à l'Institut des métiers d'excellence LVMH, ça fait tilt. Ça me fait peur, mais j'ai envie de rêver. Je prends mon courage à deux mains, je postule. Mon profil l'intéresse. Je n'en reviens pas. Au travers de nos 280 métiers,
on a 80 000 personnes qui au quotidien exercent leur passion, travaillent avec des savoir-faire qui sont des savoir-faire du patrimoine. C'est pour eux en fait qu'on a fait ces deux événements Chomi en France, au Théâtre des Champs-Élysées, puis en Italie, au Théâtre Odéon. C'était vraiment l'idée que ceux qui parlent le mieux des savoir-faire sont ceux qui les portent. Je passe haut la main la première étape du recrutement. Tout s'enchaîne. Ma candidature à l'Institut des métiers d'excellence est validée. Je prépare le bachelor du management du luxe et une alternance chez Guerlain, au Bon Marché. Je me sens tout de suite à ma place. Dans ma promo, ça va de 16 ans jusqu'à 57 ans. À la fin de ma formation, qui dure un an, je décroche un CDI au sein du LVMH Client Services. Mais ma plus belle reconnaissance, c'est peut-être celle de mes filles. Elles me disent « Maman, on est fière de toi. Merci. » Le témoignage d'Alger, il est particulièrement touchant. Il est aussi caractéristique d'un des objectifs que nous poursuivons, c'est de pouvoir susciter des vocations et donner la chance à des gens qui sont en reconversion, qui sont éloignés du marché de l'emploi ou qui ne font pas des choses qui les passionnent. Et là, ce que je trouve formidable, c'est qu'aujourd'hui, elle a un sens, elle a de la fierté. Et nous avons de la fierté aussi. Je dois vous dire que je trouve ça extrêmement... On est humble quand on écoute des histoires et des parcours et des luttes comme ça, et des luttes qui arrivent finalement à des belles fins, à des belles histoires. Et ça, c'est formidable. Alors, en ce moment, à l'atelier, on travaille sur une robe pour une cliente. C'est mon premier modèle, entre guillemets, un peu haute couture. Il y a énormément de broderie, beaucoup de perles. C'est des matières très fines, très délicates. Donc souvent, comme je n'ai pas encore la main, je m'entraîne d'abord sur un morceau qu'on coupe exprès en entraînement. Et une fois que je réussis, on me laisse travailler sur le vrai modèle et je peux avancer avec ma tutrice sur la robe. Je suis très très exigeante dans mon travail et très exigeante avec moi-même. Les métiers d'excellence, selon moi, c'est vraiment le travail, la passion, la rigueur, j'ai envie de dire l'excellence. Eh bien, la matinée, ça a été une belle leçon d'humilité. Comme toujours, quand on voit les travaux des anciens, finalement, on remarque que le travail d'il y a 500, 600 ans, il était déjà extraordinaire et la maîtrise du geste, elle est même des fois, finalement, pas comparable à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Cette année, on a inauguré aussi un nouveau dispositif qui est l'Académie des métiers d'excellence. Et très concrètement, c'est l'idée de se dire qu'on doit apprendre tout au long de la vie. En fait, c'est pas juste en étant un apprenti qu'on se doit d'apprendre, mais aussi un virtuose peut apprendre. Leur permettre de se rencontrer, leur permettre de se stimuler, d'échanger et d'être confronté à un autre savoir-faire peut éveiller des idées et développer encore plus sa créativité. Je suis en train de faire une initiation à la menuiserie. Donc voilà, j'apprends et je découvre l'utilisation d'outils comme celui-ci, on est dans l'atelier en fait de restauration des meubles. Positionner mon plaquage. Et c'est vraiment important pour nous aujourd'hui, c'est de nous retrouver, de partager en fait notre passion et puis nos métiers. En fait, c'est important, mais dans le fond, on se rend compte que le métier, je dirais dans le monde de l'art ou du luxe, comme on est toujours le même. Si on n'a pas la passion, on ne peut pas faire ce métier.
Donc on rencontre que des passionnés ici et c'est ça qui est vraiment intéressant. Même les profs, hein, sont super. Et c'était ça qu'on voulait créer, retrouver cette jeunesse d'apprendre. Et c'est ce qu'ils ont vécu finalement pendant toute la journée. Cette année, on m'a proposé de me rendre au même salon à Clichy-sous-Bois pour aller à mon tour parler à des jeunes qui veulent faire ça et leur expliquer que oui, c'est possible. Oui, il faut croire en ses rêves et non, c'est pas perdu d'avance. C'est un vrai plaisir. La tournée s'est achevée à Paris. On disait, il pleuvait, mais il y avait du soleil dans les cœurs, il y avait une énorme influence. Et d'ailleurs, ça a été un peu le bilan de la tournée. C'est beaucoup plus de CV qu'on aurait imaginé, une rencontre d'un public plus ouvert. Et ça, c'était un bilan globalement très, très positif. On a fait une année où on a planté énormément de graines qui, on espère, vont vous pousser dans le futur. Peu de groupes, je crois, peuvent dire qu'ils ont autant de métiers assez exceptionnels que le nôtre. Vous avez là une diversité incroyable de métiers, 43 métiers de nos maisons, 43 parcours, 43 savoir-faire. C'était un moment assez unique. Et ça, vous avez compris, mais on ne veut pas s'arrêter là où on est. Les métiers d'excellence sont amenés à grandir, sont amenés à se développer, à couvrir d'autres métiers, d'autres territoires, d'autres pays. Et ça, c'est la force de la mobilisation de notre groupe. Tout est là. Tout est là. C'est ce qui nous rend humains. C'est la rencontre de l'esthétique et de la manualité. Le craft et l'art, c'est l'essence même du groupe. C'est comme ça qu'on innove, c'est comme ça qu'on va transmettre à des gens plus jeunes l'envie de faire ce métier-là. Et en même temps, c'est comme ça qu'on conserve ce patrimoine extraordinaire. La réussite du groupe est fondée sur le succès de nos produits qui sont vraiment des produits artisanaux et qui donc reposent sur votre talent. Je pense que pouvoir donner du sens, de pouvoir changer des vies, même peut-être pas assez, mais c'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement fort. Franchement, depuis un an et demi, je dirais que je suis quand même super heureuse. J'ai réalisé exactement ce que je voulais faire. La chef d'atelier me donne sans arrêt des nouvelles tâches, de plus en plus compliquées. On me propose de travailler sur des choses que j'ai jamais faites auparavant. Non, c'est un parcours merveilleux.